Nous aimerions vous parler de la viande. Tous ceux parmi nous qui se privent de viande, à juste titre. La viande élevée à la chaîne, maltraité. Faut faire disparaître ces conditions-là, en effet. Mais dans une société, mais l'entrée du malin. Dans une société saine, quand chaque incarnation dispose d'un endroit à cultiver, à faire vivre des bêtes. Dans le respect de la nature, on peut se permettre la viande. C'est même inscrit dans tous les rites connus sur la planète. Une fois par semaine, à peu près, deux fois. Faut arrêter, enfin, manger ce que bon vous semble. Manger ce que bon vous semble. Et en effet, hein, le steak à Leclerc, hein, il va peser lourd sur votre karma. Et si vous arrivez à rentrer dans une construction de la vie où vous êtes autonome, hein, et que vous produisez votre propre viande. Régalez-vous, hein, c'est mérité. La vie de la bête, en plus, elle est gratifiée avec ce geste. Là, il faudrait même qu'on pense à se bouffer entre nous. On n'y est pas encore, mais ça arrivera bientôt. Ça a déjà commencé en plus, hein. Il y a déjà des gens parmi nous qui se font bouffer par des puissants sur la planète. C'était vraiment pour faire un petit message sur la viande, sur la nourriture bovine. On le sait qu'on détruit la planète. Si vous parlez de la viande, à vrai dire, parlez des plantes, les végétales. Manger un légume, c'est comme manger les couilles d'un taureau vivant. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Enfin, si nous mettons dans un concept où il faut à tout prix prendre soin de ce qui nous entoure, on meurt. Peut-être ça à la voix, on meurt tous en une génération, c'est réglé, Gaïa est contente. Faut prendre soin de tout ce qui nous entoure, chérir les cadeaux et un troupeau, un élevage, un arbre fruitier, tout ça c'est pareil. Hein. Les êtres humains, dans les sociétés humaines antiques, les sacrifices humains, c'est pas pour punir ou blabla, à la limite, peut-être, hein, si on se mettait à bouffer les pires entre nous pour digérer toutes les moins bonnes de nos pensées, ça pourrait régler plusieurs problèmes. Eh ben, dans le monde humain, ça s'est passé comme ça de temps en temps, il me semble. Et ils étaient plutôt forts, hein. Ça doit être de la bonne viande, hein, la viande humaine. Au même titre que du poulet ou du bœuf. On pourrait même s'orienter vers les rongeurs. Ici, ils mangent le tang. Passons, à Tahiti, on mange le chien. Voilà, la viande, c'est bon et c'est utile. Et il faut savoir la respecter. Prier pour elle
Et se souvenir que la sobriété est une vertu. Les religions, les cathos, c'est une fois par semaine, je crois. La viande. Donc voilà, manger de la viande et c'était un petit message au dîner du cercle et à Thinkerview et à tous ceux qui sont amusés à compter le litre d'eau que boit une vache. Et tu sais, c'est combien de litres d'eau que tu bois, toi? Je suis sûr, si on mettait. Enfin bref, c'est l'ego qui parle maintenant. Bonne journée à tous.